arriver. Hein. On va essayer.
Ok, on y va. Je te le dis, moi. Se ranger avec la bande à Malone le Chétif, c'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre. Regarde un peu cet endroit. Moi, je dis que Malone, c'est un...
Je me demandais, pourquoi ils ont construit un abri dans une station de métro? Je veux dire, dans le genre hermétique, on a vu mieux? C'est parce qu'ils avaient pas prévu de l'utiliser, abruti. Alors, Valentine, t'as les crocs? Tu voudrais bien quelque chose à becter, hein? Bosse toujours, abruti. Ça laissera plus de temps à Malone le chétif pour décider comment te faire la peau. Hey, vous! Je sais pas qui vous êtes, mais on a 3 minutes avant qu'il réalise que l'autre tas de muscles sans cervelle va pas revenir. Ouvrez cette porte! Voilà. Vous en faites pas si le terminal se bloque. Le système va se réinitialiser. Juste attendre quelques minutes. Voilà. Mon chevalier servant. Je me demande quand même, pourquoi vous avez fait tout ce chemin et risqué votre peau pour un vieux privé ? Mon fils, chaud. Un gamin disparu? Alors vous avez frappé à la bonne porte. Ça fait des semaines que je suis coincé ici. Il se trouve que la fille que je devais retrouver a pas été kidnappée. Bref, vous avez des problèmes et je suis ravi. Et voilà. Avant, la bande à Malone, c'était des petites frappes entraînées par les gros bras du quartier. Jusqu'à ce qu'ils trouvent cet endroit. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux occupants précédents, mais il y a peu de chances qu'ils réclament le loyer. Un abri vide, la planque idéale, quoi. Chut, j'entends quelqu'un approcher. Et voilà. Comment on la joue? Tout ce qu'il a à faire, c'est surveiller le prisonnier. Qu'est-ce qu'il fout? Hé, hey, Dino! Arrête d'asticoter ce type et ramène ta fraise. Où il est passé? Qu'est-ce que... Oh. En force, hein. C'est efficace au moins. Mais j'aimerais pas être à la place de celui qui fera le ménage. Cette porte débloque. Attendez, je vais voir si je peux l'ouvrir. J'y suis presque. Et voilà. C'est quand même plus facile quand le verrou est pas de l'autre côté.
quel est l'abruti qui a dit avoir vu quelque chose? Rien de rien. Personne, hein? Je perds la tête. De quoi? Fumez-les! Je crois qu'on n'est pas seul. Malone, le chétif et ses gars nous attendent quelque part. Mais où? Ah, et vous fiez pas à son surnom. Ce type est dangereux. Encore une porte verrouillée. Ça devrait pas être long. Bon, j'ai réussi, mais j'entends un pas lourd de l'autre côté. Dès qu'on franchit la porte, préparez-vous au pire. Chez moi, tu dégommes mes gars? Tu te rends compte de ce que ça va me coûter? Plains-toi à ta poulette, Malone. C'est à cause d'elle que je suis là. Tu devrais lui dire d'écrire à ses parents plus souvent. Oh, pauvre petit Valentine. T'as les boules de tête fellatées par une gonzesse? T'aurais voulu que je rentre bien sagement chez papa, c'est ça? T'aurais pas dû fourrer ton nez là-dedans, Nicky. On n'est plus dans notre vieux quartier. Ici, c'est moi, le boss. Tu piges. Et c'est pas un pauvre privé qui va nous faire fermer la boutique maintenant que les affaires reprennent. Je t'avais dit qu'on aurait dû le buter. Mais fallait que tu fasses dans le sentiment. Toutes ces conneries de bon vieux temps. Ma cache, ouais. Darla, tu la boucles, ok? Je m'en charge. C'est moi le patron ici. Ah ouais? Alors qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? Valentine a dû l'amener ici pour tous nous buter. Darla, écoute-moi. Tu as une famille qui t'attend. Ne va pas gâcher ta vie avec ces tocards. Je... Non, t'as raison. Qu'est-ce qui me prend? Je fais n'importe quoi. Darla! Où tu vas? Chez moi, Malone. Là où j'aurais dû rester. C'est fini entre nous. Non mais merde, Dicky. Tu butes mes gars, et maintenant ma nénette se tire! On vient de te rendre service, Malone. T'as jamais su choisir tes gonzesses. Maintenant qu'elle est plus là pour te monter le bourrichon, tu vas peut-être redescendre sur Terre et nous laisser partir. Tu me dois toujours 2 semaines au trou, hein. Espèce de faucheton de mes deux. Ah, c'est bon, vous avez 10 secondes. Si je vois encore vos bobines après ça, je vous transforme en écumoire. C'est mieux de pas traîner ici. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Ouh. Ah, le magnifique ciel du Commonwealth. J'aurais jamais cru être content de le voir un jour. Merci de m'avoir tiré de là. Mais comment vous m'avez trouvé? Il n'y a pas grand monde qui savait où j'étais parti.
Votre secrétaire, Ellie, c'est elle qui m'envoie. Ah oui? Bref, venez à mon bureau. On se retrouve là-bas. À plus tard. C'est vous dont le journal a parlé, pas vrai? Vous avez 200 ans, c'est ça? Les amis, c'est la qu'on se laisse. Je vous dis à demain pour des nouvelles aventures. Ce sera sûrement du Hitman 2 demain. Salut à tous!